Good morgen, allez, le tutor aujourd'hui, le Lunishmat, Avram, Chayin, Orber, Ben Fortuné, Mazal, Yedida, Batester, Amram, Ben Sulika, Shalom, Ben Chbiba, ainsi que l'Irfouat, Mayam, Bat, Shalvaya. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Maserhet Tmura, Perek, Aleph, Mishnah, Dalet, Ena Medoma, Medamea, Ela, Lefi, Cheshbon, Vena Mechametz, Vena Mechumatz, Mechametz, Ela, Lefi, Cheshbon, Vena Maim, Shemuvim, Poslim, Et Amigve, Ela, Lefi, Cheshbon. Vous n'avez peut-être pas compris pour le moment la Mishnah, mais vous avez sûrement remarqué qu'on n'utilise ni le mot Tmura, ni le mot Khalifin, ni le mot Kochin. On a une Mishnah qui n'a aucun rapport avec le sujet. Ou comme disait mon cher prof de maths, aucun rapport avec la choucroute. Il n'y a aucun rapport dans cette Mishnah avec le sujet de Tmura. Le rapport unique qu'il y a, c'est que la Mishnah d'Alet, elle est liée à la Mishnah E, où il y a une certaine corrélation assez subtile. Et tout à la fin de cette Mishnah E, on mentionnera le mot Tmura. En fait. C'est simple, dans l'histoire, à l'époque, les Mishnayot étaient apprises par cœur. Et vous savez qu'on étudie par cœur, alors parfois on a envie de rassembler toutes sortes de choses qui se ressemblent, de les mettre dans le même sac, comme ça on se souvient qu'il y a 7 cas éparpillés dans tout le chasse, qui rappellent la même notion un petit peu, tant bien que mal. Et du coup on les réunit, on les met ensemble. Du coup on a réuni comme ça 2 Mishnayot qui vont parler de toutes sortes de sujets. On va passer au début de Zraïm, en parlant de la Trouma, ensuite on va se mettre à parler du Mikvé, après on va se mettre à parler du... Dans la Mishnah, on parlera de l'eau d'absorption de la Paradouma, on va se mettre encore à parler à d'autres sortes de pureté et d'impureté, et puis tout à la fin, on va se mettre à parler un petit peu de la Tmura. En fait, et sans ça, qu'il y aura un rapport. Ces deux Mishnayot, on les retrouve encore dans Maserhet Trumot, dans Maserhet Trouma de Seder Zraïm. Trouma, c'est pas Tmura, oui. Le Rachel même, c'est pas la même chose. Et la même Mishnah identique, les deux Mishnah ensemble, on les retrouve là-bas, parce que justement, là-bas, on va parler de Tourouma. Ici, on parle de Tmura, donc on s'intéresse à la fin, là-bas, on s'intéresse en fait au début de la Mishnah qui va nous parler de Tourouma. Concrètement, on commence à traduire directement. Ena Medouma Medamea El Alefi Cheshbon, Ve Ena Mechametz Mechametz El Alefi Cheshbon. Deux sujets qui se ressemblent. Vous savez sûrement que lorsqu'un interdit se mélange dans quelque chose de permis, alors on le permet s'il y a 60 fois la mesure. D'accord? Un morceau de chazir, du halouf, qui va se mélanger à de la viande permise, dans du lait, peu importe. S'il y a 60 fois sa mesure, ce sera permis en général, si ça ne donne pas de goût, en fait. On va d'après le tam. Ça, c'est vrai pour, en général, la plupart des interdits. Il y a quelques exceptions à la règle, en l'occurrence, la trouma. Lorsque la trouma se mélange, la trouma, vous savez, c'est ce qu'on prélève de la récolte, pour donner au Kohen. Ça s'appelle la Trouma. Il y a un interdit spécial dessus de manger la Trouma pour Israël, si on mange en Echayav Mitab et des Shamaïm. Et pour pouvoir permettre la Trouma qui se mélange, il faut 100 fois la mesure. C'est-à-dire, en fait, il faut, donc 100 fois la mesure, il faut qu'il y ait 100. Si j'ai de la Trouma qui va se mélanger dans même 80, une pomme de Trouma qui va se mélanger dans 80 pommes de Choulin, eh bien, il n'y a pas 100 fois la mesure, je ne pourrai pas manger le mélange. Si ça se mélange dans 100 pommes de choulin, de profane, de fruits permis, ça se mélange dedans, il y aura juste une halakha de ressortir une pomme quelconque et de la donner au Kohen parce que j'ai une dette envers lui, mais je pourrais manger tout le reste. Tandis que si elle se mélange en 80 pommes, par exemple, je ne pourrais pas manger la pomme. Il n'y aura pas de mélange, aucune solution. Je devrais vendre les 81 pommes au Kohen pour qu'il me paye les 80 pommes. Une, c'est la sienne, donc je la lui donne. Et les 80, je suis obligé de lui le vendre et lui, il la mangera. Sans pouvoir inviter un Israël à manger de ses pommes. Ça, c'est le principe général de Medouma. Ça s'appelle le Dimoua. Le Medouma, c'est la Tourma qui se mélange. D'accord? Maintenant, la Mishnah vient et m'enseigne. Sache que le Medouma, ce qui est déjà mélangé, la Tourma qui est interdite, Ena Medouma Medamea Ela Lefi Cheshbon. Le mélange de Tourma n'interdit un autre mélange uniquement selon le pourcentage de Tourma qu'il y a dedans. C'est-à-dire, je reste avec l'exemple des pommes. Lorsque j'ai... je ne sais pas si ça marche avec des pommes, en fait, ce n'est pas précisé. Je ne préfère pas parler de pommes, je préfère parler de blé. D'accord? Ça ne vous dérange pas, je vous expliquerai pourquoi ensuite. Imaginez que j'ai une mesure de blé qui se mélange dans 9 mesures de blé. D'accord? Une mesure de blé qui se mélange dans 9 mesures de blé. Donc pour le moment, il s'avère que j'ai 10 mesures, dont une qui est interdite. Imaginez maintenant que de ce mélange, je vais ressortir une mesure. Donc je n'ai pas le droit de manger cette mesure. En théorie, l'interdit de manger la trouma m'interdit de manger cette mesure. Imaginez maintenant que cette mesure va se mélanger dans... en fait, on pourrait même dire dans
90 mesures permises. D'accord? Est-ce qu'on va dire que là, j'ai une mesure interdite et 90 d'interdits? Donc, une interdite, les 90, puisqu'il n'y a pas 100. Ou bien non, on va dire, non, c'est pas vrai. Lorsque ça s'est mélangé, la mesure dans les 9, il s'avère que dans la mesure que tu as ressortie, toute cette mesure n'est pas interdite. Il n'y a qu'un dixième qui est interdite. Donc, un dixième qui est interdite, tu es le mélange de 90, c'est parfait. Il y a presque, je sais pas, 900... Il y a 900 fois sa mesure, en fait, puisqu'il n'y a qu'un dixième qui est permise. C'est une toute petite mesure. Et la Mishnah vient m'enseigner justement que sache qu'effectivement, tu calcules selon le pourcentage de trauma qu'il y a dans la mesure. Il y a un certain prix douche, parce qu'en réalité, lorsque le blé s'est mélangé, peut-être que ce que j'ai ressorti, c'est entièrement la mesure de blé. On n'a pas parlé que j'ai mélangé, que j'ai malaxé, j'ai pas mélangé forcément. J'ai fait tomber, j'ai ramassé, peut-être que je suis tombé entièrement sur la trauma, malgré tout. À partir du moment où c'est mélangé, ça prend un statut de trauma à un dixième, tu relèves maintenant une mesure, eh bien, sache que dans la mesure, on considère qu'il y a un dixième de trauma et 9 dixièmes de choulin. De ce fait, lorsque tu vas le mélanger maintenant avec le... donc tu calculeras sur le pourcentage, d'accord? Même principe encore avec « En amechumatz mechametz elalefi cheshbon ». Ce qui est devenu « chametz » ne rend « chametz » que selon la quantité. Là, c'est un petit peu plus différent, mais c'est le même principe de nouveau. Outre l'interdit de mélange qu'on permet selon le pourcentage, s'il y a un 60e ou s'il y a un centième, il y a encore ce qu'on appelle le mechametz. C'est assez original. Vous avez déjà remarqué que à l'époque, on utilisait du levain naturel. On utilisait une pâte qui avait déjà fermenté, on la mettait dans une autre pâte. Cette autre pâte se mettait à fermenter grâce à la première. Maintenant, toute la pâte, elle est devenue ferment. Si on la laisse pourrir ensuite, toute la pâte va devenir ferment. Imaginez maintenant qu'une fois que la pâte elle est devenue ferment, vous allez retirer encore un morceau de pâte. Vous allez le remettre ailleurs. Alors de nouveau, l'autre pâte, elle va devenir interdite. D'accord? La question, elle est de savoir maintenant. Imaginez que j'ai pris du ferment de trouma. Je pense que le principe sera le même aussi. Non, on parle de trouma, je ne vais pas parler d'autre chose. Et je prends du ferment de trouma. C'est-à-dire, je prends une pâte qui était de la trouma, qui était au Cohen, quand il a fait son pain. Il la retire là-bas du ferment. Et je l'ai mélangé dans une première pâte à moi. Donc maintenant, toute la pâte, elle est devenue interdite, même s'il y a plus que 100 sa quantité, parce que le chametz, ça interdit. Le fait qu'il y ait un chametz, ça fait qu'on le sent, on sent le taam, même si ce n'est pas réellement son goût. Parce qu'en réalité, quand deux pâtes fermentent, c'est qu'une alcool sur la fermentation à l'autre. Peu importe, c'est des détails un peu qui compliquent un petit peu la scène, mais en tout cas, le principe, il est que, imaginez que j'ai pris une mesure de ferment, je l'ai mélangé dans une pâte, toute la pâte, maintenant, elle devient entièrement, je la laisse ensuite pourrir, elle devient entièrement du ferment naturel. Et je vais utiliser un morceau de cette pâte, de nouveau maintenant, pour aller faire fermenter une autre pâte. Est-ce qu'on va dire que là, puisque toute la première pâte, maintenant, elle est devenue interdite, à cause de... elle a été mélangée avec de la trouma, avec du ferment de trouma, donc toute la pâte, elle est devenue interdite. Lorsque tu retires un morceau, ça s'appelle que tu as une pâte de trouma qui va faire fermenter la deuxième pâte. Ou bien non, il y a dans cette nouvelle pâte, du ferment permis et du ferment interdit. Et s'il y a en pourcentage la quantité de ferment nécessaire, requis pour que la trauma qui se trouve à l'intérieur suffise pour faire fermenter la deuxième pâte, ce sera interdit. Et sinon, non. Vous avez compris? Imaginez, je ne connais pas les pourcentages, mais imaginez qu'il faut mettre l'équivalent de 1 vingtième de pâte de ferment pour pouvoir faire fermenter une pâte. Vous prenez une pâte avec un certain volume, il faut mettre l'équivalent de 1 vingtième de tout ce volume pour pouvoir la faire fermenter. Donc j'ai pris au début un vingtième de trauma. J'ai fait fermenter une première pâte. Ouais, on va parler d'un 19e, c'est plus facile. Et puis après, je reprends de nouveau un morceau. Et je vais fermenter une nouvelle pâte. Alors on va dire, maintenant, la Mishnah vient m'enseigner, sache que on ne va pas considérer que toute la mesure que tu as retirée, c'est du ferment d'interdit. Non, il y a un 20e d'interdit et 19 20e de permis. Et donc, si le 20e d'interdit qui se trouve dans ce morceau que tu as pris, il suffit pour faire fermenter toute la nouvelle pâte. Alors ta nouvelle pâte sera interdite, parce que la trouma qu'elle y a dedans, elle fait fermenter tout le reste. Mais si la petite quantité de trouma qui se trouve n'est pas capable de faire fermenter indépendamment, eh bien dans ce cas-là, ta pâte qui fait fermenter, eh bien c'est la pâte rouline, c'est la pâte permise, donc la pâte sera permise, c'est ce que la Mishnah m'enseigne justement. Ce qui a fermenté, avec de la trouma interdite, ne rend interdit à cause de chametz, à cause du fait, en faisant fermenter une autre pâte, que les fichajbon, que s'il y a la quantité, selon le compte, précisément, les fichajbon, c'est calculé, selon le calcul, selon le pourcentage de pâtes interdites. D'accord? Maintenant, tout autre sujet, on va parler de mikvot.
Qu'est-ce que c'est dur à comprendre l'enchaînement de ces Mishnayot, vous allez comprendre. Regardez. Pour le moment, je vais me concentrer à expliquer uniquement le sens de la Mishnah que le Bar Tanoura allonge qui nous propose, en nous proposant deux explications. Une qui propose de lui-même, une qui sort de la Gemara. En réalité, c'est une supposition de la Gemara, puis après la conclusion de la Gemara. Ce qu'il y a écrit, je traduis d'abord. Ve'ena maim she'uvin poslim et amigve ela lefi cheshbon. L'eau qui a été puisée ne vont invalider un migve que s'il y a que selon le pourcentage. Bon, d'abord une petite introduction. Vous savez que le migve, on se trempe, eh bien, c'est la récupération d'eau de pluie qui est jamais passée par un ustensile. Premièrement, elle doit tomber directement, on l'a directement du ciel à terre, dégouliner sur le sol et être réunie, être ramassée ensuite, pas ramassée, de se réunir en fait dans un puits. Et là, on a un migvé de la Torah. Interdit de prendre une flaque d'eau, par exemple, d'eau de pluie, de la prendre avec un ustensile et d'aller remplir un migvé. Parce que dès qu'on va ramasser l'eau, on va la rendre maïm she'uvin, de l'eau puisée. Il y a une grande marloquette sur ça, est-ce que c'est midoraita ou midarabanan? C'est une très grande discussion. Concrètement, en tout cas, quoi qu'il arrive, l'eau, dès qu'elle est passée dans un ustensile, c'est plus une fois en fait de l'eau naturelle, telle qu'elle est tombée du ciel. Donc dès qu'elle est passée, il y a eu la main de l'homme qui a été mélangée dans ce migvé, ouais, parce qu'on l'a prise par un ustensile, alors ça rend interdit tout le migvé. Il devient invalidé. Mais même mieux que ça. Un migvé doit contenir 40 CA. Faites le calcul, esclave Goudo, ça fait l'équivalent à peu près de, je sais plus, 278 litres, je crois. Ça varie en fait selon le Krasoni chez Escalav Goudo efface à Kavlog, calculez combien ça fait 40 CA. D'accord? Maintenant, 40 CA. Une fois que j'ai un migvé rempli d'eau de pluie de 40 CA, je peux rajouter dans ce migvé autant d'eau puisée que je veux, ça ne me rendra jamais interdit mon migvé. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a aujourd'hui des migvotes qui réussissent à rester tant bien que mal, même plus que tant bien que mal, rester propre. Comment est-ce qu'on fait? On a un bor maïm, on a un puits là-bas où il y a de l'eau naturelle qui a été récupérée d'eau de pluie, et cette eau, bien sûr, vous imaginez qu'elle n'est vraiment pas propre, et qu'il y a dedans toutes sortes de petits vers d'eau qui peuvent se développer et tout ça, on évite de mettre du chlore dedans même. Donc c'est un peu la fête au village, c'est un petit zoo, d'accord? Et on rajoute sur ça, par contre, on rajoute sur ça de l'eau propre. Et l'eau propre, ensuite, elle va déborder. On a toutes des techniques, en fait, pour que ça reste propre, et que les vers ils restent là-bas, et qu'on récupère de l'eau humide toute propre. Donc il y a toutes sortes de techniques pour ensuite, on va remplir ce puits, pour que l'eau va déborder, concrètement, on va déborder, en fait, dans un autre puits. Que là-bas, on va se tremper, ou là-bas, il y aura de l'eau propre. On fait ça, en fait, avec 2-3 intermédiaires, pour éviter de trop de contact. Et donc, on récupère, en fait, de l'eau de puits, qui rentre en contact avec l'autre puits, et comme ça, on rend l'eau permise. Pourquoi? Selon le même principe. Dès qu'on a les 40 CA, la mesure de 40 CA d'eau de pluie récoltée, qui est toute propre, toute bonne, tombée du ciel, on peut rajouter même des millions de litres, tout sera permis. D'accord? Premièrement. Maintenant, tant que le migvé n'a pas atteint les 40 CA, alors, s'il y a 3 logs, une toute petite, une mesure inférieure, ouais, selon CA, Kav, Log, on a donc Vav et Dalet, on a un 1/24e, 3 fois un 1/24e de mesure de CA qui va tomber, donc un 1/8e de CA qui va tomber par rapport à... On n'a pas atteint les 40, on n'a pas encore rempli le migvé à 40 CA, on va avoir une mesure de 3 logs qui va tomber dans ce migvé, 3 logs d'eau puisée, ça va rendre invalide tout le migvé. D'accord? Il y a toutefois une solution, un moyen de permettre ce migvé. C'est ce qu'on va faire la hamshacha. On va verser l'eau puisée à côté du migvé, à 3 tfachim, à 27, 30 cm, disons, et l'eau, elle va dégouliner ensuite. Alors, si on avait le migvé qui était rempli majoritairement d'eau de pluie naturelle, on avait 21 CA, on va pouvoir compléter le migvé jusqu'à 40 CA de la sorte, en faisant couler l'eau par terre à côté et laissant l'eau dégouliner d'elle-même, ça annule la sheiva. Ça annule le fait d'avoir puisé l'eau. Le fait d'avoir l'eau dans un ustensile, ça s'appelle que c'est de l'eau puisée, donc c'est interdit de se tremper dedans. Le fait de la faire tomber par terre, et qu'elle va elle-même dégouliner toute seule dans le mikvé, alors jusqu'à la moins de la majorité du mikvé, ça va être permis. Si on a 21 CA d'eau de pluie normale, on va pouvoir jeter dessus 19 CA de la sorte. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne, selon le premier pirouche du Bar Tanoura, en me disant que « Ve'en amaim she'uvin, l'eau qui est puisée n'invalide le mikvé que les filles cheshbon uniquement » s'il n'y a pas la majorité,
Vous allez me dire, il n'y a plus aucun rapport entre l'expression le fi cheshbon utilisée, il n'y a plus de corrélation entre le fi cheshbon utilisé dans le début de la Mishnah et la suite de la Mishnah. C'est vrai, c'est une remarque du Tosot Yom Tov, mais c'est comme ça. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, je vous ai dit, on a voulu réunir toutes sortes de halachot qu'on aurait pu caser sous un même thème. C'est des moyens mnémotechniques comme ça pour se souvenir. Donc en fait, la Mishnah est venue simplement m'enseigner que l'eau puisée, que tu vas vouloir permettre en faisant la hamshacha, la laissant dégouliner sur le sol, avant d'être récupérée ensuite dans le puits, eh bien, tant qu'elle n'a pas atteint la majorité, tant qu'elle est minoritaire, quoi, eh bien le migvé sera permis. D'accord? Donc si à 21, c'est A, d'autres plus normales, tu pourras faire compléter avec 19 eaux puisées de la sorte en la versant par terre. Entre parenthèses, dans les migvé, lorsqu'on utilise, dans les migvé à notre époque, on fait plein de chumrot, de manière à ce que le migvé soit parfaitement permis, et aussi parfaitement propre. C'est-à-dire, si on va alors des migvé sales, on aurait plein de solutions faciles pour faire des puits de migvé. Mais comme on a envie de garder un migvé propre, alors on fait plein de chumrot. En l'occurrence, il y a aussi un système que lorsque l'eau elle dégouline dans le migvé, elle ne tombe pas directement dans le migvé, mais elle tombe d'abord par ailleurs, elle dégouline, puis après elle tombe dans le puits. C'est encore pour pouvoir permettre encore plus en faisant ce qu'on appelle donc la hamshacha. C'était vraiment entre parenthèses. Peut-être qu'un jour on étudiera migvot ensemble, Bezrat Hashem, c'est prévu. Il y a deuxième explication du Bartonra. Le Bartonra, maintenant, il continue en nous disant que la Gemara ne fonctionne pas de la sorte. Ça rentre pas dans la Gemara, dans la fin de la Gemara. La conclusion de la Gemara, elle est d'expliquer la Mishnah différemment, encore plus tirée par les cheveux par rapport à la corrélation de la Mishnah, mais c'est pas grave. C'est quand elle était, vous rappelez, je vous ai dit au début que tant qu'on appartient les 40 CA, alors 3 logs d'eau puisée interdisent. D'accord? Il y a une halakha qu'il faut, c'est une marloquette en réalité, il y a un avis qui pense que c'est à condition que les 3 logs viennent à partir de 3 ustensiles au maximum. Mais si bien à partir de 4 ustensiles, donc que chaque ustensile ne contient pas nécessairement au moins un log, eh bien le mikvé ne sera pas invalidé. Ouais, 3 logs, c'est 3 mesures d'un log. Tu peux les amener en un seul ustensile, en 2 ustensiles, en 3 ustensiles, mais pas en 4 ustensiles. Et donc c'est ce que la Mishnah est venue en fait mentionner en me disant « En amaim shumovin posilim et amikvé » L'eau qui est puisée, l'eau qui se trouve dans un ustensile, c'est l'eau puisée, ça s'appelle, puisqu'elle est dans un ustensile. L'eau qui se trouve dans un ustensile n'invalide le mikvé que les fichajbon uniquement selon le compte d'ustensiles, qu'il faut qu'il y ait 3 ustensiles et pas 4. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'aslacha kol tov, c'est là.